Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé des tutoriels sur Premiere. Donc bah on y est, on va voir un petit peu comment fonctionne Premiere Pro d'Adobe. Donc vous commencez, si vous n'avez jamais ouvert Premiere, vous arrivez logiquement avec cette fenêtre-là, ou une fenêtre qui ressemble, et on va cliquer sur Nouveau projet bah, pour créer un nouveau projet. Jusque-là, tout va bien. Ici, vous avez le nom du projet, bon bah là, on va mettre Premiere tuto. Où est-ce qu'il est? D'accord. D'accord, donc son nom, où est-ce qu'il est? Ici, vous avez plusieurs choses intéressantes. Si vous disposez d'une carte graphique assez récente, qui comprend le logiciel CUDA, vous allez pouvoir activer ce système de rendu-là qui va vous permettre de lire vos métrages plus rapidement et avec une fluidité plus importante. Ici, vous avez votre format d'affichage de vidéo. Ça, c'est assez intéressant. Vous pourrez le changer déjà dans Premiere, mais ça me permet d'expliquer ce que c'est. Donc ici, vous avez images. Ça veut dire que là, il va vous afficher juste le numéro des images. Donc si vous avez un plan à 5000 images, par exemple, bah, vous aurez écrit 5000 images en fonction de votre position dans la timeline. Ça peut être 2500, 2000. Ici, vous avez le code temporel qui correspond, qui va correspondre en fait à le temps en minutes, secondes et après, non pas en secondes derrière, mais en images. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes à 1 minute, 5 secondes et 13 images, bah, il va marquer 1, 2.15, 1, 2.13. Ici, les deux trucs ici, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Vous pourrez essayer, mais je pense que c'est pour des caméras spécifiques. Alors nous, on va rester en code temporel qui est le plus intéressant. Ici, vous avez audio. Je laisse en échantillon audio. Millisecondes, c'est aussi différentes manières de noter le son, mais là, ce sera beaucoup moins utile que l'image. Ici, vous avez l'acquisition, ça n'a rien à voir, c'est si vous voulez importer directement des cassettes vidéo de caméra, donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Et ça, on s'en fout un petit peu. Ici, vous avez le disque de travail, ça peut être intéressant si vous avez un disque dur qui est seulement alloué à votre montage, par exemple. Vous pouvez très bien faire votre montage, enfin, votre projet peut très bien être sur le disque C, par exemple, mais vous pouvez dire à Premiere de mettre tous ces fichiers de prévu, tous les fichiers qu'il va utiliser pour travailler sur votre projet dans un autre disque dur. Mais sinon, par défaut, c'est identique au projet, et pour nous, c'est plutôt cohérent. Mais bon, vous pouvez, si vous voulez, choisir de déplacer ces fichiers en fonction de vos préférences. Donc là, vous faites OK et ça vous crée un nouveau projet. Et là, vous allez avoir Premiere qui s'ouvre. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément la même interface que moi. Donc, moi, je vais revenir à l'interface par défaut. Donc, ici, dans Fenêtre, Espace de travail, et vous pouvez monter ici sur. Ici, dans Montage, et vous allez revenir sur la. Sur la. Sur l'espace de travail par défaut si vous n'avez pas le bon espace de travail ou s'il vous manque des fenêtres. Vous cliquez dessus. Donc moi je vais juste hop venir docker ça là, voilà. Donc voyons un petit peu à quoi ça sert, à quoi servent toutes ces fenêtres et qu'est-ce qui est intéressant dans tout cet espace de travail. Ici vous avez la fenêtre de projet qui est un petit peu la fenêtre où vous allez tout avoir. En fait, ça va être une fenêtre qui va référencer tous les éléments que vous avez dans votre projet. Donc que ce soit des vidéos, du son, des séquences. Donc les séquences, c'est des vidéos bout à bout. En fait, c'est comment vous travaillez en Premiere. Des calques d'effets, des calques couleurs. Tout ce qui va être utilisé dans votre projet sera là-dedans. D'accord? Donc, et c'est là-dedans qu'on va commencer à travailler, puisque c'est là-dedans qu'on va cliquer pour importer des projets, parce que Premiere est un logiciel de montage, donc il faut bien monter quelque chose, vous ne pouvez pas monter rien du tout, c'est ridicule. Donc, on va monter des vidéos. Donc, là, par exemple, je vais importer une vidéo. D'accord? Donc, j'ai importé une vidéo, et la vidéo est ici. Et donc, je peux double-cliquer dessus pour la prévisualiser. D'accord? J'ai plusieurs infos, donc la prévisualisation se fait toujours dans la fenêtre source ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations au niveau de cette vidéo en drag and drop ici. Vous avez la fréquence d'image par seconde, le début et la fin du média, sa durée, le point d'entrée vidéo, point de sortie, j'y viens, et les infos vidéo, notamment par rapport aux pixels, longueur fois largeur. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça, je vous invite à regarder mon tutoriel qui a été fait sur qu'est-ce qu'une image en 3D, c'est vraiment la même chose. Alors, je parlais de point d'entrée et de point de sortie en fait sur une vidéo. Pour pouvoir monter, vous allez pouvoir dire, ah bah, je choisis de commencer ma vidéo ici par exemple et de la faire sortir ici, d'accord? Donc je ne peux prendre que la partie colorée ici de ma vidéo. Donc pour faire un point d'entrée, j'appuie sur I, d'accord? Au niveau de mon curseur et j'appuie sur O pour faire un point de sortie. Ça va être les deux raccourcis que vous allez le plus souvent utiliser dans Premiere. C'est I et O pour faire un point d'entrée et un point de sortie sur vos vidéos. Et c'est ça qu'on va venir rajouter par exemple dans le montage. Mais pour l'instant, on n'a pas de montage, on voit ici qu'il n'y a rien. Pour faire un montage, il faut d'abord créer ce qu'on appelle une séquence. Une séquence, c'est quoi? C'est une séquence qui va pouvoir accueillir plusieurs métrages pour faire un montage, d'accord? Pour faire du montage, quoi. Donc pour ça, on va créer une séquence. Pour faire un nouvel élément dans Premiere, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton ici. Et c'est écrit nouvel élément, justement. Et là, vous avez plein
de types d'éléments possibles. Et nous, donc c'est une séquence qu'on veut créer, donc on clique sur ça. Et là, vous avez plein de choix de séquences personnalisées. Et c'est vrai qu'au début, quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est l'angoisse totale. Donc, pour ça, en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Ou vous vous posez la question de comment ça marche et à quoi ça correspond. Par exemple, si je vais dans AVCHD, je clique sur 1080p et là, je regarde, voilà, AVCHD 1080p 24. Je regarde, je vois que c'est une vidéo en 1080p, 16 neuvième avec un balayage progressif à 23,976 images par seconde. J'ai un audio à 48 kHz, d'accord. 48 kHz correspond à la fréquence du son, c'est pas très important. J'ai un pixel carré, ce qui est très important, d'accord. Pixel carré. Et voilà, j'ai du 920 par 1080, 24 images secondes grossièrement, d'accord. Ah bah tiens, bizarrement, ça correspond exactement à la vidéo que j'ai. 24 images secondes, 1920 par 1080. Bon, pas mal, allez. Voyons-en un autre, juste pour la blague, mais c'est vrai que nous, on pourrait utiliser celui-là. Par exemple, le DV24P, bah voilà, ici, je vois, j'ai un format pour les 24 images par seconde avec un rapport NTSC 16 neuvième, un audio 12 bits à 32 kHz et un décalage 2-3-3-2 pour la lecture sur du matériel DV. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Je vois que j'ai la taille d'image. C'est du 720p sur 480p. Donc, c'est pas très, c'est pas énorme. Mais normal, c'est pour du NTSC. Donc, c'est pour les vieilles télé. Je vois aussi que le rapport LH en pixels est de 1,21. Donc, je n'ai pas un pixel carré, ce qui est très important. Donc, voilà. Donc, vous pouvez avoir tous les... toutes les séquences, vous pouvez en créer des personnages, je vais vous montrer juste après. Et vous pouvez par exemple avoir des séquences, par exemple, voilà, pour des raids, donc qui sont des caméras spécifiques. Vous avez des séquences pour la caméra raid, vous avez des séquences pour la caméra XDK, mais plein de choses comme ça, qui sont très importantes pour des caméras professionnelles. Et vous pouvez créer, comme vous voyez, là, j'ai des personnalisés, vous pouvez créer des séquences. Comment on crée des séquences? Vous allez dans réglages ici, et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez en réglage. Donc vous pouvez dans personnaliser et mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, moi j'ai du 24 images secondes, on a vu, j'ai du 1920 par 1080. Je voulais un rapport, un pixel carré. J'ai dit que j'avais aucune trame. Alors, qu'est-ce que c'est les trames? Les trames, ça veut dire aucune trame, ça veut dire que les images vont se jouer les unes à une derrière les autres. D'accord? On va faire image 1, image 2, image 3. Avec une trame supérieure en premier, ça va être l'image qui va être derrière, va se superposer, enfin derrière quand je dis derrière, c'est derrière dans le temps, elle va se superposer à celle qui est devant, et donc vous aurez une espèce de fusion d'image, en fait de trame, qui va s'opérer. Très important si vous faites de la vidéo pour téléviseur. Si vous faites de la vidéo pour téléviseur, il faut absolument être en entrelacé, ce qu'on appelle donc mettre une trame supérieure en premier ou une trame inférieure en premier, ça n'a rien à voir, c'est juste l'image d'avant ou d'après qui passe devant l'autre, c'est pas très important. Mais il faut absolument faire ça si vous êtes un téléviseur. Par contre, si vous faites de la vidéo sur ordinateur, pour du web, pour en fait pour tout ce qui est n'importe quoi sauf une télévision, d'accord, donc même pour le cinéma, il faut faire du progressif, donc pas de balayage, pas de trame, pas d'entrelacement, d'accord. Ici, vous avez l'affichage, le code temporel, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est la même chose. L'audio, donc on va se mettre nous en 48 mHz pour être globalement comme les conventions. Et ici, vous avez, bon, c'est pas très important, on reste comme ça, comme tout à l'heure. Et là, vous avez le format de fichier de priorisation qui est assez intéressant. Ça va nous permettre de dire à Première quel format il lit. Il prélit notre vidéo, d'accord. C'est pas un format de rendu, c'est un format de lecture. Et en fait, il y a des formats qui sont très intéressants comme des formats beaucoup moins intéressants. Par exemple, le format le plus intéressant que je vous conseille, ça va être le GoPro Cineform, qui est un format en 10 bits. Alors encore une fois, si vous comprenez pas ce que je vous dis, allez voir le tutoriel sur l'image numérique. Ou alors vous avez le GoPro Cineform avec Alpha en 12 bits. Donc c'est super bien, vous avez une profondeur d'image qui est très importante, vous pouvez avoir une belle retouche colorimétrique, c'est bien 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 intéressant. Vous pouvez utiliser les autres, hein, les DVC Pro, etc. Mais pour moi, le GoPro Cineform est un format qui est très intéressant parce que très 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 pro, enfin avec une très grosse profondeur en couleur et une vitesse de rendu assez impressionnante en termes de performance. Donc c'est très bien. Et là, vous pouvez dire le nombre de pistes que vous voulez sur votre... Donc là, j'ai 3 pistes vidéo, 3 pistes son. Bref, ça, c'est pas très important puisqu'on peut les enregistrer après. J'ai fini mes réglages. Je peux enregistrer mes préconfigurations pour que ça se retrouve là-dedans. Ou alors, je peux juste faire créer ma séquence. Je crée ma séquence et j'importe mon logo animé, par exemple, donc ma première séquence. Donc, je peux juste drag and dropper pour importer, mais c'est rare qu'on importe une séquence comme ça. Pour importer une séquence comme ça, vous double-cliquez sur votre séquence, vous définissez votre point d'entrée et votre point de sortie. Et on va appuyer sur le point-virgule du clavier pour importer notre séquence. Alors c'est très important d'appuyer sur le point-virgule pour importer notre séquence. Pourquoi? Parce qu'on va monter toujours comme ça. On va monter en appuyant sur point-virgule comme ça. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'importer vos vidéos rapidement et de contrôler ce que vous faites. D'accord? Vous voyez qu'en important avec point-virgule, j'importe sur la vidéo qui est sélectionnée à gauche. D'accord? Donc vous avez deux types de vidéos. Vous pouvez sélectionner des trucs à gauche. D'accord?
Mais vous voyez que je peux, même en appuyant sur Maj, je peux sélectionner qu'un seul bout. Et je peux sélectionner les trucs à droite, mais là, je peux en sélectionner plusieurs. Donc en fait, ça, c'est mon entrée. Donc c'est sur quelle piste ma vidéo va s'importer. Si je clique sur la V1, j'appuie sur le point virgule, elle s'importe sur la V1. Si j'appuie sur V2, elle s'importe sur la piste numéro 2. Ma sortie, ça va être les vidéos sélectionnées pour lesquelles je vais travailler. J'expliquerai ça juste après. Donc j'ai importé ma vidéo sur la piste V1 et je peux maintenant en faire ce que je veux. Donc le point virgule va importer en écrasant ce qu'il y a en dessous. Vous voyez, j'écrase au fur et à mesure ce qu'il y a en dessous. D'accord ? Si j'appuie sur la touche virgule maintenant, ça n'écrase pas ce qu'il y a en dessous, ça décale ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être aussi très intéressant. Et je vous le dis, on ne monte que comme ça, d'accord ? Enfin, vous pouvez monter en drag and dropper, hein, c'est pas un problème, mais ça vous permet de monter à une vitesse qui est bien plus importante que si vous montiez avec des drag and dropper, parce que ça vous permet de juste sélectionner la vidéo, hop, d'appuyer sur virgule, point virgule, et vous ne touchez pratiquement jamais à la souris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand vous montez au clavier, ça commence à faire des automatismes, et vous allez voir que vous allez travailler beaucoup plus rapidement, et vous allez avoir beaucoup plus de temps sur les choses qui importe, et importer une vidéo dans une timeline, c'est pas très important. Par contre, gérer un montage précis, un code précis, ça peut être plus intéressant, et donc c'est là-dessus qu'il faut prendre du temps, pas sur importer des vidéos. Donc voilà, on va importer une autre vidéo juste pour le fun et juste pour avoir de la matière quoi pour travailler. Donc par exemple, cette vidéo-là, ici, elle commence ici, je vais la faire commencer ici, et je vais la faire finir là, voilà, par exemple. Hop. Clac, et je l'importe juste après Motion Live. Alors je peux utiliser le raccourci de flèche de gauche, flèche de droite pour avancer ou reculer d'une image, d'accord. Et je peux utiliser le raccourci flèche d'avant et flèche arrière pour reculer en fait en fonction des entrées et sorties des plans sur ma piste, d'accord. Ce raccourci fonctionne en fonction des pistes utilisées. Si j'ai aucune piste sélectionnée en sortie, ça ne fonctionne pas, d'accord. Ici, vous avez le code temporel, donc je vous ai parlé au début. Donc, c'est en minutes, secondes et nombre d'images. Donc, par exemple, là, je vois que je suis à 6 secondes et 23 images. Et donc, comme je suis en 24 images secondes, je passe à 7 secondes quand je passe à la 24e image seconde, ce qui est bizarre, ce qui est normal. Donc, je vais importer ma vidéo que je viens de faire. Je vais la mettre à la fin de ma... Donc, je vais supprimer les logos d'animes que j'ai fait. Je vais regarder un peu ce que ça donne, voilà. Et je vais la mettre à la fin. Donc, notre vidéo est importée. Et voyons un petit peu ce qu'on peut faire en termes de montage dans... dans ce genre de projet. Par exemple, si je veux pouvoir dire « Ah, bah, en fait, non, je trouve que cette vidéo se raccorde pas assez vite. Elle se raccorde trop loin. Je voudrais qu'elle se raccorde plus à ce moment-là, par exemple. » Je peux venir la décaler, tout simplement, jusqu'au curseur. Mais c'est galère de faire ça. C'est galère, pourquoi ? Parce qu'il faut décaler, il faut être à l'image près, etc. Et en plus, si vous n'êtes pas snappé, en mode snap ici, bah pareil, il se snappe pas, vous n'êtes pas à l'image, bref. C'est pas très précis. Donc pour ça, vous pouvez activer le bon snap pour décaler, pour aller un peu plus vite. Mais vous pouvez même, si vous voulez, utiliser un outil qu'on appelle l'outil cut qui va permettre de cutter, donc de couper dans vos séquences. Et vous pouvez couper au niveau du curseur, faire après reprendre l'outil de sélection. Alors l'outil cut, c'est le raccourci C et l'outil de sélection, c'est le raccourci V. Vous cliquez sur la vidéo que vous avez cutée et vous faites shift supprime. Et le shift supprime va en fait supprimer et raccorder la vidéo juste avant. Donc ça peut être très intéressant, surtout si vous avez plein de vidéos derrière, que vous voulez pas vous embêter à sélectionner chaque vidéo une à une. D'ailleurs, si vous avez plein de vidéos derrière, comme ceci, alors on va les dupliquer. Pour faire dupliquer une vidéo, vous faites CTRL-C, CTRL-V, d'accord. Et ça va toujours se coller sur la vidéo qui est sélectionnée en sortie, d'accord. Donc j'en fais plein. Imaginons que je veux décaler toutes ces vidéos sur celle-ci. Mais c'est chiant. Si je veux faire ça, hop, il faut que je prenne celle-là, clac, et que je fasse chaque vidéo. Non, heureusement, il y a une autre solution. Donc pour ça, vous pouvez en fait appuyer sur A, d'accord. A est un outil de sélection très intéressant parce que ça permet de sélectionner tout ce qu'il y a après la flèche. Et faites Shift A, ça permet de sélectionner tout ce qu'il y a après la flèche, mais seulement sur une ligne. Donc ça sélectionne tout ce qu'il y a après la flèche sur toutes les lignes. Ça sélectionne juste ce qu'il y a après la flèche sur une ligne, d'accord. Et là, je vais pouvoir venir décaler tout. Et je sais que j'ai tout pris, d'accord, même si je ne vois pas toute ma séquence. Alors, petit raccourci ici, vous pouvez zoomer et dézoomer en appuyant sur le plus en haut de votre clavier, le moins en haut de votre clavier, donc le plus au-dessus du signe égal et sur le tiré du 6 en fait. Voilà. Alors, je sais que sur les dernières versions, les raccourcis ont changé, donc je vous invite à aller voir dans la doc sur le site d'Adobe parce que je ne les connais pas, je n'arrive plus à dézoomer sur les dernières versions. Donc, c'est sur la version 2017, je crois, que les raccourcis ont changé. Donc, raccourci, je rappelle pour les outils, V pour l'outil de sélection. C pour l'outil de cut. Voyons un autre outil qui s'appelle l'outil de raccord, c'est l'outil N. L'outil N va nous permettre de faire
coulisser le raccord entre les deux plans. Par exemple, je dis, ah bah voilà, en fait, je voudrais que lui avance moins loin et lui aille plus à gauche. Et bah hop, j'utilise l'outil N pour gérer mes raccords entre deux plans, ce qui peut être intéressant. Vous avez aussi l'outil T qui va permettre de carrément gérer un outil à part pour faire vos raccords. Vous pouvez dire, ah bah là, je veux plus ou moins d'images, là, je veux plus ou moins moins 1, moins 2, hop, plus 1, moins 2, bref. Assez intéressant pour gérer les raccords, d'accord? Et vous pouvez venir réutiliser votre outil là-dedans. Vous pouvez venir mettre des fondus, etc. Bon, pas très, c'est pas très utilisé comme outil, mais ça peut faire la blague si vous avez vraiment un raccord vraiment dans l'axe, très détaillé sur un mouvement. Alors, je vous invite aussi à vous renseigner sur le type de raccord que vous voulez avoir. Pour ça, je vous invite à aller sur Internet, à regarder le type de raccord cinéma. Vous allez voir, il n'y en a pas énormément. Il y a raccord dans l'axe, raccord mouvement. Et puis après, fondu, etc. C'est pas très important, mais c'est le genre de choses qu'il faut savoir quand vous commencez à monter. Ça va vous permettre de monter plus intelligemment vos plans et ça va être plus intéressant à regarder. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des outils principaux de Premiere. Donc vous avez V, l'outil sélection, C, l'outil cut et N, l'outil de raccord. Vous avez aussi un autre outil qui est assez intéressant, c'est l'outil R. L'outil R est l'outil de allongement ou réduction compensée. C'est-à-dire qu'on va ralentir ou accélérer une vidéo comme on le souhaite. Donc là, j'étire ma vidéo, je la rends plus lente. Là, je vois, ici, j'ai la vitesse qui est affichée, 14% de ma vitesse. Donc si je l'ai la vidéo, là, vous allez voir qu'elle va tout doucement, voilà. D'accord ? Mais là, c'est pas très joli, c'est pas un beau ralenti. En fait, on peut améliorer ce ralenti en faisant ce qu'on appelle une fusion d'image. Donc en faisant clic droit sur le métrage et en faisant fusion d'image ici, d'accord ? Si vous avez la version anglaise, c'est Frame Blend. Vous cliquez dessus, et là maintenant, en fait, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire un fondu à chaque fois entre l'image d'avant et l'image d'après. Vous allez voir que j'ai l'impression d'avoir un truc un peu plus fluide. Je ne vois aucune différence. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle une preview. Alors, on va y venir juste après pour les previews. Donc, vous voyez que les points d'entrée et les points de sortie, je peux les faire aussi dans ma timeline, sans problème. Je peux les faire dans les métrages et dans ma timeline. Et là, je vais aller dans séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Donc en fait, je demande à Premiere de me générer un fichier de rendu pour cette séquence. Et en fait, c'est un petit peu comme si je faisais un rendu sur After Effects, sur n'importe quoi. Ça permet d'enregistrer les effets qui sont trop lourds à gérer, comme une fusion d'image qui est trop lourde à gérer. Et là, il m'a créé une vidéo et voilà. Vous voyez maintenant la différence sur mon ralenti. J'ai une image devant et après, ça permet de fluidifier le mouvement. Donc ce concept de rendu est assez intéressant. Si vous avez un montage qui est saccadé, qui est buggé, vous pouvez rendre votre image en appuyant, en faisant un point de sortie et un point d'entrée, et vous rendez votre montage en appuyant sur séquence, rendu de l'entrée à la sortie, ou en appuyant sur entrée tout simplement, ça fait aussi un rendu. Et ça vous permet de rendre un petit peu les effets compliqués que vous avez pu mettre sur vos vidéos, de rendre les ralentis, ce genre de choses, pour avoir un montage bien fluide et avoir en fait juste Premiere qui lit un fichier qui a rendu. Parlons un petit peu des effets, bah oui, parce qu'en fait dans Premiere, il y a pas mal d'effets qui sont assez intéressants pour travailler. Vous avez les effets ici, donc dans la case effets. Et là, en fait, vous avez les effets audio et les effets vidéo. Alors, bien sûr, on va pas faire tous les effets vidéo ni tous les effets audio aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Je vous invite à aller les voir. Mais les effets vidéo les plus intéressants sont les effets de retouche colorimétrique. Donc, on va aller voir juste ça. Par exemple, vous avez plein d'effets et vous avez donc dans retouche colorimétrique, si coloration colorimétrique, vous avez les balances des couleurs, par exemple. Et vous avez surtout le couleur lumétrique, qui est un effet très intéressant pour l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, c'est quoi ? C'est s'arranger pour que deux plans aient les mêmes gamme de couleurs et les mêmes teintes de couleurs pour qu'à l'œil ça ne choque pas quand on passe d'un plan à l'autre. Donc j'ai mis mon effet sur mon métrage ici, mais je le vois pas. Donc je l'ai pris, je l'ai glissé sur mon métrage. Pour le voir, il faut aller dans option d'effet ici. Vous avez l'option couleur, colorimétrie de votre métrage. Mais vous voyez que j'ai plein d'autres effets comme trajectoire. Et oui, en fait, je peux réduire mon métrage. Là, je l'ai réduit de 50%. Maintenant, il est devenu tout petit. Donc je peux venir le tourner, l'agrandir. Venir en fait un peu faire ce que je veux, d'accord. Tout ça se répercute dans les options d'effet de la trajectoire de mon métrage, d'accord. Position, rotation, etc. Et là j'ai la correction colorimétrie. Alors je vais mettre le programme sur le côté ici pour avoir mon résultat et mon effet en même temps, d'accord. Et là la correction de base, bah voilà, je peux venir par exemple mettre une teinte plus ou moins verte, une température aussi plus ou moins jaune, plus ou moins bleu, mettre plus ou moins d'exposition, de contraste, bref, il y a énormément de choses pour faire des choses très intéressantes, notamment au niveau aussi des courbes RGB qui peuvent être très intéressantes pour faire de l'étalonnage. Donc ici, j'augmente mes noirs ou je les diminue, d'accord. Ici, je baisse mes blancs ou je les augmente, d'accord. Donc blanc vers le haut, noir vers la droite, et ça vous permet d'avoir de recontraster une image. Vous pouvez faire la même chose dans les rouges, mettre plus de rouge, enfin moins de rouge dans les noirs et plus de rouge dans les blancs,
plus de verre. Bref, là je fais n'importe quoi, mais ça vous permet d'étalonner un plan très précisément. Ici, vous pouvez, si vous le voulez, saturer ou désaturer certaines couleurs. Mais ce qui fait que là, je désature totalement, c'est en noir et blanc. Mais en fait, là, je peux saturer les bleus et désaturer mes jaunes. D'accord? Donc c'est hyper intéressant pour étalonner un plan avec un autre, ou pour donner un aspect intéressant. Donc si je veux saturer que les rouges, si je ne veux voir que les rouges dans mon film, bah, je mets tout dans les rouges et toutes les autres couleurs, je les supprime. Et voilà, là j'ai mis que mes rouges qui vont être en couleur dans mon film. Donc vous voyez un petit peu, je vais juste virer les effets de trajectoire, parce que là c'est un peu n'importe quoi, en rotation à 0. Voilà, vous voyez que maintenant j'ai que le rouge qui ressort dans mon film, sinon le reste tout est totalement noir. Donc je vois que le rouge dans les textes ici. Alors vous voyez peut-être pas très bien vous, mais faites-moi confiance, je ne vois que le rouge dans mon texte. Donc c'est très intéressant, je vous invite à essayer cet effet, c'est vraiment l'effet, je pense, le plus important de Premiere, parce que Premiere a en fait du montage et de l'étalonnage, quoi. C'est pour moi le plus important. Alors après, vous avez quelques trucs un peu kitsch. Donc pour enlever un effet, vous le sélectionnez, vous le supprimez, tout simplement. Vous avez quelques trucs un peu kitsch qui permettent de faire des flous, etc. Donc il y a plein de choses, hein. Il y a énormément de choses en effet vidéo. Donc je vous invite à essayer plein de choses. Voilà, je peux venir si je le souhaite. Générer des cercles par exemple. Donc voilà, là j'ai créé un cercle sur mon... Donc ça supprime ma vidéo et ça fait un cercle, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Donc vous pouvez même animer tout ça. On va voir un petit peu comment animer les effets, je pense, le cours de la semaine prochaine. Comme ça on va faire un truc à la fois, ça sera moins long, moins dur. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui, ça a déjà pas mal de trucs à digérer. La semaine prochaine, on verra un petit peu comment animer ces effets, les rendre intéressants. On verra un petit peu aussi la partie son, qui est très 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 importante en montage, voire presque plus importante que l'image. Et on verra aussi un petit peu les systèmes de comment on exporte la vidéo. Voilà. Donc c'était une petite introduction à la première, donc je rappelle un petit peu les bases pour ceux que ça intéresse et qui n'auraient pas tout compris. Ici, vous avez votre timeline, vous pouvez importer des vidéos sur votre timer en appuyant sur le point virgule, en écrasant les vidéos en dessous, ou en appuyant sur le virgule en décalant les vidéos en dessous. Vous pouvez lire votre timeline, c'est vrai que j'en ai pas parlé, pour lire votre timeline c'est le bouton ici forcément, mais c'est aussi le raccourci espace, d'accord. Vous pouvez accélérer cette lecture en appuyant sur L deux fois, d'accord, je lis plus vite là. Si j'appuie sur K ça fait pause, et si j'appuie sur J je lis en arrière. Si j'appuie sur J deux fois je lis en arrière deux fois plus vite. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé de ces trois raccourcis qui sont assez intéressants. Et voilà, c'est vraiment, je pense, la base. Entraînez-vous déjà à faire du montage, à faire des raccords, à utiliser les outils que je vous ai parlé, donc l'outil de cut, l'outil de correction compensée, l'outil de raccord. Tout ça, entraînez-vous à faire ça. Entraînez-vous à mettre quelques effets, testez les effets vidéo, les couleurs, les effets de blur, etc. Amusez-vous. Essayez de tester les transitions, j'en ai pas parlé, j'en parlerai la semaine prochaine, qui sont assez intéressantes. Et nous, la semaine prochaine, on va parler d'effets animés, on va parler de son et d'export. Voilà. Merci à tous, bon courage, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!